Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. La lumière vaincra les ombres à cet heure. Ce sera la gloire pour moi. Je ne sais quels seront les chants des bienheureux, les accents, les accords des hymnes angéliques. Mais je sais que joignant ma voix au cinquante, bientôt j'adorerai comme eux. Bientôt j'adorerai comme eux. Bientôt, j'adorerai comme eux. Mais je sais que joignant ma voix au cinquante, bientôt, j'adorerai. Je ne sais quel sera le palais éternel, mais je sais que mon âme y sera reconnue. Un regard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi s'ouvre le ciel. Pour moi s'ouvre le ciel. Pour moi,
Mesdames et messieurs, chers amis bien-aimés, que la paix de Dieu soit avec vous tous. Je suis content de vous retrouver en cette fin de semaine, en cette matinée, vendredi 10 septembre, pour passer notre moment au pied du maître à tous nos amis qui se sont déjà réveillés et branchés à l'heure de la délivrance. Nous vous souhaitons le bonjour. Et nous souhaitons une bienvenue, une chaude bienvenue, une bonne adoration et une bonne participation à programme nan matin. Ou même zanmim qui pas encore réveillé, eh ben les 6 heures, c'est l'heure de la prière, c'est le moment de brancher à l'heure de la délivrance. Donc nous comptons pour que nous capables pénétrer maison encore une fois en cette matinée. Pour que nous passions ce petit moment nous dans pied maintenant. Et pour que nous capables de débuter le service de ce matin, nous avons invité à chanter ensemble au numéro 47 des hymnes et louanges que ton fidèle amour est une grande chose. Ô Dieu, mon rédempteur, mon rocher, mon gardien. Que ton fidèle amour est une grande chose, ô Dieu puissant sauveur, mon rocher, mon gardien. Oh, quel puissant soutien, oh, quel puissant soutien, que ce bras de ta grâce pour mon cœur se repose. Avec toi dans mon pèlerinage, autrefois j'étais seul, sans guide, sans sauveur, messieurs, m'a invité à lire ensemble le psaume 5. Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel. Écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. Car c'est à toi que j'adresse ma prière. Le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs. L'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude. Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. Je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis. Aplanis ta voix sous mes pas, car il n'y a point de sincérité dans leur bouche.
Leur cœur est rempli de malice, leur gosier est un sépulcre ouvert, et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Frappe-les comme des coupables, ô Dieu, que leur dessein amène leur chute. Précipite-les au milieu de leurs péchés sans nombre, car ils se révoltent contre toi. Alors, tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours, et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Amen. Et maintenant, mesdames et messieurs, quel que soit à côté que vous trouvez en ce moment, que ce soit encore au lit dans votre chambre, que ce soit au travail, peut-être à travers les rues déjà, pour rentrer à la maison ou pour rentrer au travail, eh bien, n'a pas pour que vous preniez position pour la prière, ou capable incliner, ou posterner, ou agenouiller, ou couber, ou ça dépend de côté courrier. Et nous prions avec notre bien-aimée sœur Ginette chérie. Prions le Seigneur. Bon Dieu, papa, nous qui nous sommes là, nous, petit tuyau, qui venons devant matin, pour venir nous merci, papa. Merci pour nuit blanc. Merci pour semaine là. Merci pour tout jour ça qui est avec nous, ou pas jamais abandonner nous. Et merci de ce qu'on réveille nous matin. Merci. Merci pour la vie, le mouvement et l'être. Merci pour le sacrifice de la croix. Merci pour Jésus. Et merci. Merci, papa. Nous venons matin à l'empire. Pour nous venir confesser péché nous. Iniquité nous, force nous, transgression nous. Et deux fois, papa, nous prenons. Ça tellement l'habitude pour nous, nous pouvons continuer à faire. Tant que vous plaît, papa, retirez-vous dans la vie nous. Retirez-vous sur le chemin nous. Et vous ne pouvez pas faire ça pour nous. Parce que vous êtes un grand, vous êtes un gros bon Dieu. Vous êtes un bon Dieu qui est capable. Vous êtes un bon Dieu qui fait miracle. Vous êtes capable de faire ça pour nous. Aidez-nous à camper en face. Aidez-nous à garder figure. Regardez la direction pour que vous voyez. Pour ne pas quitter nous dans la distraction dans le monde ça, qui est capable de détourner nous de nous-mêmes et que pour nous perdre la vie éternelle. Nous. Papa, nous ne pouvons pas quitter nous dans l'église pour nous perdre, papa. Tant qu'il vous plaît. Si nous quittons ça, monde nous accouffrions. Si nous, après l'adorer, tout le toute la nuit, quand on a fait une question d'aller dans le building encore, nous ne sommes pas capables de nous qui côté nous est. Tant pis, s'il te plaît, papa, aidez-nous à faire volonté. Bas-nous force, bas-nous courage, bas-nous résistance, pour nous soumettre nous totalement à nous-mêmes. Et comme ça, le ravin de ce nuage-là, on va quitter nos montées et nous avec un pasteur Étienne, dans le travail, au confier pour lui faire pour nous. Et merci pour son mère qui a supporté lui. Oh, pour tout le temps fidèle qui est ensemble avec lui. Papa, nous besoin de plus que jamais dans la vie à côté de nous. Aidez-nous à aimer une autre et à rester attachés l'un avec l'autre. Ou avec chaque monde qui est sous le devoir matin. Même ça qui compte là, qui parle là, je viens. Et ça qui peut être plein pour venir pour qu'on arrive. T'en prie, s'il te plaît, papa, aidez-nous. Aidez-nous à faire volonté et volonté seulement. Parce que nous n'avons pas de l'autre côté pour nous aller, pas de l'autre côté qui est place pour nous. C'est nous-mêmes seulement nous connaissons et c'est à vous nous veiller. Ou avec les amis, nos familles, nous, même nous qui croyons que c'est ennemi, nous. Ou avec vous, papa, ou couvrir vous, ou aller dans le cœur, ça qui peut faire la paix ensemble avec nous. Et comme ça, vous va joindre nous. Et l'élève va arriver pour venir. On va venir et puis maintenant, nous capons envoler ensemble. Qu'elle écrit nous, exauce-nous du bon d'assurer, les vieillards parmi nous. Qui nous qui parlent de l'école, qu'on y a, Seigneur Dieu, on connaît ça qui gagne dans la rien, ça qui gagne dans l'air, ça qui gagne tout côté, nous t'es arrivé, tout côté nous qu'a touché. Oh papa, accouvrir-nous avec nous de grâce. Sauvez-nous, nous prions comme ça. Non parce que nous bons, ni parce que nous gagnons mérite. Mais non, Jésus qui est seul, petit roi. Malade qui nous mette en nous.
pas oublier nous, papa. Moun qui désolé, qui perdu, mon cher, qui inconsolable, pas consolé, ou te contre ça, ou te souté, et pas quoi que oublier, parce que même mon Dieu qui était là avant, c'est lui-même nous gagne aujourd'hui. Père de prix, nous, et Dieu, c'est notre Dieu des cieux. Non à cause de nos mérites personnels, parce que nous pas gagné, mais à cause de mérites, seul petit toi, qui te quitte le royaume ciel en l'air, pour te descendre de mourir sous terre, maudit ça pour nous-mêmes. Amen. 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 Vous suivez l'heure de la délivrance, un programme diffusé chaque matin sur les réseaux du dimanche au vendredi de 6h à 7h30. Eh bien, à toutes amis nous yo qui déjà branchés, que c'est sur Facebook, que c'est sur réseau téléphonique, non? Yon fois encore, nous souhaitons le bonjour et nous souhaitons que vous soyez capable de traverser un bon moment avec nous, avec l'heure de la délivrance, dans pied maintenant. Et maintenant, mesdames et messieurs, juste avant que nous passions dans la vigile matinale pour ce matin, vendredi 10 septembre, nous avons chanté notre chantème que nous jouons dans le numéro 580. À ton école, divin maître, nous sommes venus nous former. À ton école, divin maître, nous sommes venus. Bonjour à la sœur Ginette, et vous avez le micro. Bonjour, pasteur Étienne, merci. Bonjour, frère Maxime, qui est déjà branché. En petite méditation, nous, pour aujourd'hui, hein, c'est au sommet. Et bien sûr, nous pas méditer sur l'IAO, nous venons dans 1 Thessaloniciens, en chapitre 1er, verset 9 et 10, Matri Bruno. On raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Thessaloniciens 1, verset 9, 10. Je dis à ces 10 septembre, chers frères et sœurs, et méditation, ça nous va les pouvoir nous gêner dans le livre qui relève sa grâce, nous suffit. Méditation quotidienne pour adultes, et c'est frère Bruno Rasso qui écrit ça. Frère Bruno écrit comme ça, et m'appelez Bruno. Le but de la vie est de servir Dieu et d'attendre le retour du Christ. L'apôtre met constamment l'accent sur le glorieux avènement de notre Seigneur. Cette attente n'est pas oisive. Il s'agit d'une attente combinée à l'action. C'est pourquoi l'apôtre présente le Christ comme le Fils de Dieu et sa résurrection en est la preuve. Aldo raconte que le vent glacé soufflait sur son visage. Le 8 février 2005, il resta seul à la plaza de Moulins, le camp de base de la Concagua, la plus haute montagne d'Amérique. Son partenaire d'expédition devait rentrer à cause d'une blessure gênante au genou. À ce moment-là, il pensa à une vieille recette qu'il utilisait depuis l'âge de 12 ans et qui était toujours très efficace. Prier pour demander l'aide de Dieu. Dans son sac à dos se trouvait la section de la Bible avec les psaumes, les proverbes et l'Ecclésiaste. Assis sur le rocher, il se mit à lire, reprenant des forces pour poursuivre l'expédition. Pourquoi t'abattu mon âme et gémis-tu sur moi? Attends-toi à Dieu
car je le célébrerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Psaume 42 et le verset 12. Ceux qui l'entouraient étaient étrangers. Personne ne grimpe avec des inconnus. Trois grimpeurs décidèrent de monter ensemble et de s'entraider. Aldo grimpa seul. C'était très dangereux, non seulement à cause des accidents, mais aussi pour la santé. Tant l'œdème du cerveau que celui des poumons peuvent entraîner la mort s'ils ne sont pas traités immédiatement. Finalement, Aldo atteignit le sommet. Il n'y avait plus de pierres et le sol était devenu plat. Quelqu'un l'embrassa et lui dit, « Tu y es arrivé et tu y es arrivé seul. » Aldo raconte qu'il a escaladé la Concagua seul, mais en réalité, il est certain qu'il n'était pas seul. Il sait que Dieu l'a accompagné à chaque pas, a aplani son chemin, l'a guidé jusqu'au sommet et l'a ramené chez lui sain et sauf. Nous aussi, nous escaladons les derniers tronçons de l'histoire abrupte de ce monde. Nous devons atteindre le sommet de la montagne Sion. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne pouvons pas rester au camp de base. Nous devons inviter d'autres personnes à y aller ensemble, en attendant son retour, en marchant sans cesse. Son don ne pourra jamais être surpassé. Le calvaire représente son œuvre suprême. Our High Calling, notre haute vocation, 7 février, page 13. Au sommet du calvaire, il a accompli son œuvre suprême. Pour que bientôt, nous puissions atteindre le sommet de son royaume et pour toujours. Au sommet était le titre de notre méditation pour aujourd'hui. Et bien sûr, nous sommes médités sur l'Ion, nous venons dans 1 Thessaloniciens, les versets 9 et 10, ma prolélie, on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts. Jésus qui nous délivre de la colère à venir. 1 Thessaloniciens 1, verset 9 et 10. Et c'est la méditation à prier pour ma terre. Amen. Bien, nous disons merci à notre bien-aimée sœur Ginette pour la vigile matinale pour ce matin, vendredi 10 septembre. Et maintenant, mesdames et messieurs, vous suivez l'heure de la délivrance, un programme diffusé chaque jour sur les réseaux du dimanche au vendredi de 6h à 7h30 du matin. Et maintenant, on va entrer dans la leçon de la semaine. Nous avons étudié la leçon 11. Leçon 11 qui vient pour titre « Soif de plus ». Et selon le verset à réciter que nous trouvons dans 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 6. Or, ces choses nous sont arrivées pour servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Selon 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 6. Mesdames et messieurs, tout au cours de ce maintenant, nous t'ouais, côté que l'auteur de l'école du sabbat, l'auteur de la des leçons de l'école du sabbat, eh bien, l'idée, ben nous, y a une belle illustration, y a une belle œuvre architecturale qui est trouvée dans un musée à New York, à Queens, New York. Eh bien, œuvre ça,
li te gen pou bu pou ke l te kapab prezante tout vil nan kompletman, tout batiman yo. Yo ban nou an pil detay ki jan batiman yo, dimensyon yo, etc. Sepadan, nou wè ke, malgre ke œuvre sa li bel, li admirable, men li pa vreman reflete le peyzaj urbain de l'année 2021, le peyzaj aktuel de la vil, ou du mwen sa du peyi. Sepadan, nou kapab komprann ke nan le son wan, ote nan li parle nou de tip, de symbol, etc. Men yon tip, yon symbol, li pa jam vreman orijinal nan. Li ka semble avel, men li pa l'orijinal. Ki sa ote nan li te vle fè pase, se ke li fè alüzyon o zèv du sanktuèr terès. Kote ke apre le pèp Israel te sove de la kaptivite, te sove de l'esklavaj an Egypt, kote ke yo te an mach ver le peyi de Kanaran, e nou wè ke bon Diyo te mande Moïse padan tout la mach pou ke yo te konstwi yon tabernak, konstwi yon sanktuèr potab, kote ke nou wè ke te gen an pil sakrifis ki tap fèt, e tout bagay sa yo, c'était l'ombre des choses à venir, c'était des symboles. Et bon Dieu t'a demandé Moïse pour que les construit un tabernacle, un sanctuaire, même gens, dans même modèle avec ça qui dans ciel là. Ça veut dire nous que dans ciel là gagner un sanctuaire côté que le grand prêtre Jésus une fois pour toutes depuis après sa résurrection, lui a intercédé en faveur nous et n'ont pas besoin d'en présenter lorsque nous allons à l'église, nous allons au temple, nous n'avons pas besoin d'aller avec un animal encore pour aller faire sacrifice pour pécher nous. Parce que une fois pour toutes, Jésus avait versé son sang sur la croix pour que lui pardonne nous, pour que lui donne nous accès à papa. Cela veut dire que toute bagaille que tu as fait dans le temple terrestre, c'était l'ombre des choses à venir. C'est ça que fait dans la première partie, hein, il dit non que peuple n'a été baptisé en Moïse. Il y a un titre qui était un peu absurde au début, parce que nous connaissons tout le monde baptisé en Jésus, mais auteur n'a dit baptisé en Moïse. Le peuple d'Israël, puisque c'est Moïse qui était délivré, et pendant pèlerinage, pendant course, à travers le désert. Donc, bon Dieu, lui t'a montré Moïse tout ça que lui t'a dû faire pour que tu construis un temple, un tabernacle qui même modèle avec ça dans le ciel non. Donc, c'était des symboles, des types que tu y es. Donc, peuple non baptisé en Moïse lorsque tu es arrivé devant la mer Rouge côté pour tout tu péri mais tu t'es traversé la mer Rouge à pied sec. Maintenant, non parler au cours de ce maintenant, dans première, deuxième partie, hein, les rituels et sacrifices. Eh bien, système rituel, là, système sacrificiel, là, que le peuple a fait dans l'Ancien Testament, Jacques il t'a offert en pile exemple et il t'a gagné en pile symbole là-dedans, côté que prêtre, il t'a gagné en façon que tu dois habiller, il y a une couleur rade que tu dois confectionner vêtements que y a mettez en yo gen en pile insigne yo gen en pile bagay que yo fait en pile cérémonie pour que peuple n'était capable joindre pardon pour péché yo. C'était des rituels, c'était des pratiques religieuses et on fait des sacrifices pour que yo vini avec des animaux pour que yo capable égorger pour peuple n'était capable joindre pardon pour péché, aussi que au lit Lévitique 4, 32 à 35, on va joindre plus de détails dans ça que me donnant. Maintenant, je dis, nous sommes capables de comprendre que yon rituel, li très excellente. Yon rituel, li très, son bagay qui excellent pour que vous capable communiquer yon valeur, yon information qui est importante pour que vous communiquer à de restes descendantiaux. Yon bagay ki important pou jenerasyon kap vini yo, pou jenerasyon e jen jenerasyon wa.
Et mais je dis, mes bien-aimés, puisque nous pas offrir sacrifice encore, puisque Jésus l'avait déjà fait pour nous sur la croix, puisque toute affaire gain façon pour que rad prête yo te confectionné bagay ça yo pas non pas non pas pratiqué encore parce que yo tout yo te fait partie du système cérémoniel. Cependant, question que m'a posée à tout le monde, est-ce que nous pas gain des rituels jodi an? Mais oui, bien sûr, des fois on connaît au cours de semaine an, que puisque yon rituel c'est une pratique religieuse. C'est yon bagay ki excellent ki permet ke ou komunike yon valeur, yon informasyon ki importante a respect nan a jenerasyon wan. Bien sûr, en tant qu'adventiste du septième jour, nou genyen rituel. Par exemple, deba ou exemple deux, ou genyen la Sainte Cène. La Sainte Cène, c'est yon rite ke liye. Si yon bagay rituel ke liye, kote ke li gen yon importans kapital, li gen yon valeur. D'ailleurs, la Bible le di. Donc, nou wè ke Sainte Cène li symbolize la Pâque. Parce que lorsque bon Dieu te mande pep nan pou ki yo te kapab egorje anyouan, sakrifye anyouan, mette san devan lintouan, etc. Lorsque l'exterminateur pral pase pou ki yo kapab sove yo, parce que tout premier-né t'as pral mouri, eh bien, nous voyons que, puisque Jésus était représenté l'agneau pascal qui dégaine pour immoler pour nous sur la croix, eh bien, dans même nuit, côté que Christ t'a pral sacrifié, dans même nuit, côté que il t'a pral arrêté, lui, eh bien, nous voyons que Jésus avait institué la Sainte Cène. Je l'avais dit à chaque fois. Puisque lorsque le peuple n'a pas célébré la Pâque, il a été pour faire d'une façon permanente pour rappeler la délivrance de l'esclavage en Égypte. Eh bien, nous-mêmes, je dis, puisque nous libérés par le sang de Jésus, libérés de l'esclavage du péché, donc à chaque fois que nous avons participé à la Sainte Cène, ça rappelait nous tout sacrifice Jésus, tout ça que Jésus-Christ a fait pour nous jusqu'à ce que l'y retourne. Eh bien, c'est un rite que lié. C'est un rite. Et au capable comprendre pour monde qui aumônier tant que moi-même, lorsqu'on dans l'hôpital, lorsque on gagne un monde qui catholique, qui pral mourir, mon nan en dernier semaine, dernier jour, dernier heure. Eh bien, même si mon ça pas de jambe qu'on entre l'église, c'est pour les parents, famille, à courir, à chercher, pour joindre un prêtre pour venir bail de last rite. Dernier sacrement, ça aurait les derniers sacrements pour une balle communion, pour une bénilie. Eh bien, ce sont des rituels que vous y donc nous-mêmes tous, nous avons des rituels que nous devons passer à Timounouyo. Guéon jeune, pas j'oublie ça, qui dans l'époque pandémie, il dit, pasteur, mais qui l'heure que n'a bien prochaine cérémonie de Sainte Cène? C'est pour montrer que ça a intéressé jeune, en tant qu'adolescente, donc ça a intéressé. Donc, nous devons, pour que nous soyons capables de passer bonne manière, les bonnes pratiques religieuses, nous devons, pour que nous passions à Timoun. Bien, nous t'ai parlé aussi dans la partie mardi, l'exemple du repos. Nous avons côté que peuple Israël, Moïse t'a délivré, t'a retiré dans l'esclavage en Égypte. Cependant, nous voyons que n'y a pas de gens qui joignent repos vraiment parce qu'ils étaient rebelles, ils étaient incrédules. Et nous voyons que l'exemple du repos, c'est donc le fait allusion au repos du septième jour. Dans le livre Hébreu, il dit que bon Dieu, il gagne un jour de repos, il classe à nouveau un jour de repos pour son peuple. Et ça, quand pile monde y a trompé, y a pensé que c'est un autre repos que apôtre a parlé. Mais non, c'est toujours le même repos hebdomadaire. Le repos du septième jour, le repos du sabbat, c'est ça que apôtre lui fait allusion. Eh bien, nous sommes capables de comprendre que nous autres aujourd'hui, nous avons besoin pour que nous pas suivre exemple parents nous yo, exemple ancêtres nous yo, pour que nous capables rester fidèles, pour nous rester fidèles, pour nous observer le sabbat du septième jour, le sabbat de l'Éternel. Non, parti mercredi, on t'a parlé, non Dieu si c'est pas votre cœur. Toujours dans le livre Hébreu, nous voyons que c'est un avertissement qui est très sévère.
dégâts nous endurcis que nous. Je dis ainsi que nous tendez, voix bon Dieu qui a parlé, bon Dieu appelez nous pour que nous capables entrer dans ce repos. Entrer dans le repos du septième jour, le repos du sabbat de l'Éternel qui a été classé dès la création, ou même qui peut encore observer, ou même qui peut encore entrer dans le repos ça. Eh bien, même Jean peuple Israël, là, à cause de désobéissance, yo, en pile pifon yo pas entré. D'ailleurs, dans l'ancienne génération, seulement Josué avec Caleb qui était rentré. Eh bien, à cause de désobéissance, yo, incrédulité, yo. Donc, moi-même avec aujourd'hui, hein, si que nous tendez la voix de Dieu, qu'a demandé nous pour que nous entrions dans le repos de Dieu, nous besoin pour que nous pas suivre anciens parents yo qui étaient désobéissants envers bon Dieu, nous besoin pour que nous capables et observer le sabbat du septième jour, en d'autres termes, observer les commandements de Dieu, inclus son saint sabbat qui est le quatrième. Donc, je dis, hein, c'est en urgence que lié. Si qu'on tendez voix bon Dieu qu'a parlé avec vous, ou même qui peut entrer dans le repos sabbat septième jour, eh bien, ce repos est aussi pour vous, non Dieu si ce n'est pas votre cœur, lorsque vous tendez voir bon Dieu qui a parlé avec vous. Et enfin, dans la partie jeudi, nous avons parlé de la conquête à la conquête d'une cité céleste. Ça veut dire, peuple, non, lorsque vous quittez le pays d'Égypte, vous êtes en route vers la cité, vers le pays de Canaan, en côté que l'ait avec miel tape coulé. Donc, bon Dieu, c'est là que te vle aller avec yo pour que yo te capable recevoir le repos parce que yo passé plus de 400 années en esclavage, yo pas de gain repos du tout. Mais malheureusement, peuple, non, yo te incrédule, yo te montré au rebelle envers Moïse, envers Josué, envers bon Dieu. Et même Jean tout, Zamim, en pile nan yo, yo pas entré dans pays ça. Et nous, ouais, même Moïse, qui était le leader, à cause de sa rébellion contre Dieu, sa colère, donc nous, ouais, que Moïse, il était fâché, parce que peuple, non, t'es atteint dernier nerf, monsieur. Monsieur, t'es mettait en colère, au lieu que il était parlé avec Oshéan, eh ben, il était frappé. Eh ben, nous, ouais, que à cause de désobéissance, ça, même Moïse, pas entré. Cependant, mes bien-aimés, nous tous qui acceptons Jésus dans la vie, nous aspirons à aller dans le ciel. Donc, nous sommes à la conquête d'une cité céleste. Et pour que vous capable d'entrer dans la cité céleste, ça a besoin pour que vous capable d'observer le sabbat du septième jour. Au besoin pour que vous capable de mettre en considération le sabbat du septième jour. Parce que pas gagnant monde cap entrer dans la cité céleste, non, sans que ou pas observer le sabbat du septième jour. Donc, c'est ça très important pour que vous capable et connaît le repos sabbatique l'a toujours demeuré pour le peuple de Dieu. Même lorsque Jésus-Christ retournait, nous aurons à observer le sabbat hebdomadaire, le sabbat du septième jour dans le ciel et même sur la nouvelle terre. Après le millénium, nous aurons encore à observer le sabbat hebdomadaire, le sabbat du septième jour. C'est ça que l'Éternel déclarait par bouche prophète Ésaïe, Ésaïe 66, il dit que à chaque sabbat, c'est-à-dire le sabbat hebdomadaire, à chaque sabbat et à chaque nouvelle lune, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit le Seigneur. Cela veut dire, mes bien-aimés, ou même qui peut encore comprendre l'importance, repos sabbat, repos septième jour, non? L'ultime pour que vous capable, l'important, l'obligatoire pour que vous capable entrer là-dedans et observer ou pas observer li, ou pas observer pour que vous capable sauver parce que le sabbat pas qu'à sauver ou l'observation du sabbat pas qu'à sauver ou l'observation des commandements de Dieu pas qu'à sauver ou parce que nous sommes tous sauvés par grâce par le moyen de la foi. Cependant, puisque nous sommes sauvés, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu, par conséquent, bon Dieu nous a ligué des principes, ligué des règlements, au royaume n'y a bâti sur des principes, sur des règlements. Donc, puisque liban nous les 10 commandements, la loi morale, qui gagne en mitonne le repos du septième jour, le repos du sabbat. Donc, au besoin, si vous voulez pour conquérir la cité céleste,
au besoin pour que vous soyez capable d'observer le sabbat du septième jour. Suspendre dit c'est pour juif parce que le pas pour juif. Suspendre dit c'est pour un petit groupe monde parce que li pour l'homme d'une manière générale. Parce que les bon Dieu t'est établi dans septième jour, dans si après création sixième jour, le septième jour li reposé, li mette la part, eh ben pas de gagner ni juif, ni haïtien, ni mexicain. C'était yon seul échantillon de la race humaine qui était là, Adam et Ève, côté que nous, toute nation, nous sortis dans yon seul échantillon ça, Adam et Ève. Le sabbat a été fait pour l'homme. Cela veut dire, si qu'on fait partie de la race humaine, le sabbat est pour vous. Bien, mesdames et messieurs, c'est petit bout de résumé ça que nous sommes capables de porter pour vous sur la leçon 11, soif de plus. Et selon le verset à réciter que nous joignons dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 6, « Or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. » Vous suivez l'heure de la délivrance. Et maintenant, mesdames et messieurs, juste avant que nous passions dans la lecture du jour, la lecture de la Bible, nous avons invité à auditionner ce morceau instrumental « Descends, Esprit du Dieu vivant ». Suivez l'heure de la délivrance, un programme diffusé chaque matin sur les réseaux du dimanche au vendredi de 6h à 7h30. Et maintenant, mesdames et messieurs, comme vous savez, nous sommes encore à l'exploration du livre de Marc. Et pour journée jeudi, vendredi 10 septembre, eh bien, nous arrivons dans le 12e chapitre. Non? Il est dit, Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part du produit de la vigne.
S'étant saisis de lui, ils le battirent et le renvoyèrent à vide. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur. Ils le frappèrent à la tête et l'outragèrent. Il envoya un troisième qu'ils tuèrent. Puis plusieurs autres qu'ils battirent ou tuèrent. Il avait encore un fils bien-aimé. Il envoya vers eux le dernier en disant, « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais ses vignerons dirent entre eux, « Voici l'héritier. Venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. » Et ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Maintenant, que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons, et il donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est par la volonté du Seigneur qu'elle l'est devenue, et c'est un prodige à nos yeux. Ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole, et ils le quittèrent et s'en allèrent. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens, afin de le surprendre par ses propres paroles. Et ils vinrent lui dire, « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Devons-nous payer ou ne pas payer? » Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit, « Mais pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier afin que je le voie. » Ils en apportèrent un, et Jésus leur demanda, « De qui sont cette effigie et cette inscription? De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et il fut à son égard dans l'étonnement. Les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. « Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt et laisse une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait sept frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de postérité. Le second prit la veuve pour femme et mourut sans laisser de postérité. Il en fut de même du troisième, et aucun des sept ne laissa de postérité après eux. Tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car les sept l'ont eu pour femme. Jésus leur répondit, n'êtes-vous pas dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges dans les cieux. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui dit? À propos du buisson, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, « Mais quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Le scribe lui dit, « Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur et de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. »
et personne n'osa plus lui proposer des questions. Jésus, continuant à enseigner dans le temple, dit, « Comment les scribes disent-ils que le Christ est fils de David ?» David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. » David lui-même l'appelle Seigneur. Comment donc est-il son fils? Et une grande foule l'écoutait avec plaisir. Il leur disait dans son enseignement, « Gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. » Jésus, s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit deux petites pièces, faisant un quart de sou. Alors, Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Ainsi prend fin, mesdames et messieurs, la longue lecture du chapitre 12 du livre de Marc. Que celui qui a des oreilles entende. Et maintenant, mesdames et messieurs, pour que nous capables d'entrer dans une zone de réflexion, nous, avec le Seigneur, nous avons invité vous à chanter ensemble au numéro 90 des hymnes et louanges, « Tu m'as lavé de mon péché en t'immolant pour moi. » Tu m'as lavé de mon péché en t'immolant pour moi. Tu m'as pour jamais attaché à toi, mon divin roi. Mesdames et messieurs, m'a invité à lire le psaume 6. Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants.
Mon âme est toute troublée. Et toi, Éternel, jusque à quand? Reviens, Éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te loua dans le séjour des morts? Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. J'ai le visage usé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent le font vieillir. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal. Car l'Éternel entend la voix de mes larmes. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis sont confondus, saisis d'épouvante. Ils reculent, soudain, couverts de honte. Mesdames et messieurs, comme moi toujours dit, nous pas gain rien dans nous qui bon, qui propre. Nous besoin pour que nous capables, chaque matin, pour que nous vînons dans pied maintenant, pour que nous mandons le pardon, pour que nous confessions nous à lui. Parce que sans quoi, amis, prière nous yo, eh bien, louange nous yo, y a juste rété dans trois maisons côté courrier, parce que notre Dieu est un Dieu saint. Donc, nous souillés, il faut que nous demandions le pardon, confessez-nous. Et non seulement confessez-nous, mais il faut que nous prenions détermination pour que nous capables de repentir. Cela veut dire pour nous changer de direction. Juste avant que nous passions dans la prière de confession, côté que nous avons demandé à la sœur Hilde-Louise Vital, si que l'Itava sous réseau, li capable de prononcer prière ça, prière de confession pour aujourd'hui. Donc, n'a pas chanté yon couplet dans numéro 281. Plongé dans un bourbier de fange, je me débattais, mais en vain. Plongé dans un bourbier de fange, je me débattais, mais en vain. Quand Jésus vint, mystère étrange, je me saisis. Que la sœur n'est pas sur le réseau. Donc, on a demandé à notre bien-aimée sœur Fernelle d'être capable de prononcer la prière de confession. Amen. Seigneur, à ton cœur de flamme, rien n'est couvert, rien n'est caché. Notre Dieu, notre Père, ce matin encore, au banc, nous avons l'autre chance pour nous capables de venir devant, pour nous capables de venir dire merci. Merci de ce que vous permettez que nous traversions la nuit en bien. Merci de ce que nous sommes plongés dans le sommeil de la mort. Nous ne savons pas ce qui s'est passé. C'est vrai que nous avons quelques douleurs, quelques difficultés. Mais quand même, on permet que nous réveiller, nous disons merci. Merci pour bonté ou que vous renouvelez chaque matin à l'égard de tes enfants. Nous disons merci, mon Dieu. Est-ce que vous c'est papa nous? Est-ce que vous occupez place dans la vie nous? Est-ce que vous représentez son hier pour nous, Seigneur? Nous disons merci. Matin, ou bon, nous avons chance encore pour nous capables de confesser péché nous devons, Seigneur. Parce que nous péchons dans toutes circonstances, dans toute action, nous péchons. Nous péchons, Seigneur, dans la parole, nous péchons dans la réflexion, nous péchons dans le côté, nous mettons les mains, nous mettons les pieds, nous dans le regard, nous dans tout ça que nous avons fait, nous péchons. Nous venons dans la prière pour nous demander pardon, puisque nous connaissons ce sang qui est seulement efficace
pour capable nettoyer nous. Parce que vous dites la parole au Seigneur, si nous avons multiplié la parole devant nous sans que nous ne confessions pas péché, nous avons tous les yeux, nous avons tous les regards, nous avons gardé nos oreilles, nous avons bouché, nous avons entendu nous. Est-ce que c'est parce que mes oreilles trop courtes? Est-ce que c'est parce que les oreilles sont trop dures? Non, mais c'est parce que péché, nous mettons séparation entre nous-mêmes et nous-mêmes. Et bien, c'est peut-être ça, Seigneur, ma terre. Nous venons dans pied, avant même que nous vaquions à toute occupation, nous venons dans pied où nous venons mal au pardon. Nous tous nous coupables devant. Nous tous venons devant avec une rade sale, mais nous connaissons ces sangs qui sont capables de nettoyer le Seigneur, s'il te plaît. Nous venons dans pied où nous venons mal au pardon. Pardonnez-nous, Seigneur, pour toute faute, pour toute erreur, nous avons. Toute culpabilité, nous venons mal au pardon. Nous connaissons des pitiés pour nous, Seigneur. Nous, chaque qui souligne là, nous, chaque bon péché que nous avons caressé, nous, chaque lorsque nous finissons de tomber, il y a nous qui est couché dans le péché, mais il y a nous qui ramassons force pour nous lever. Seigneur, s'il te plaît, permets que Dieu nous capable de nous foutre pour nous. Ce n'est pas un moment pour nous capable de jouer avec vie éternelle, non. Moment jouette l'a fini, moment la go a fini, mais c'est moment pour nous capables de prendre vie nous au sérieux, pour nous capables de prendre salut éternel, nous au Seigneur, Seigneur. Par nous-mêmes, nous ne pas capables de faire rien, mais c'est nous fixer les yeux nous vers nous-mêmes, parce que nous connaissons lorsque nous en présence au Seigneur, nous connaissons la libération, nous connaissons le péché à pardonner, Seigneur, nous connaissons le monde qui est malade à guérir. Nous connaissons la délivrer, Seigneur. Si ce n'est pas de bonté ou qui continue nos tapis, si ce n'est pas de volonté au Seigneur, nous disons merci, merci mon Dieu pour ce qui est dans la vie. Nous demandons de pardonner nous tous qui sommes là, nous tous nous besoin plus que jamais dans la vie. Aidez-nous pour que nos capacités Dieu nous fixer vers la croix du calvaire, Seigneur. Béni journée, ça pour nous, c'est une préparation que dit Seigneur, aidez-nous pour nous capables d'entrer dans ces jours, ça, à l'heure, Seigneur, pour ne pas transgresser. Moment arrivé, l'heure sonner, Seigneur, pour que nous capables conformer vie, nous. Nous ne pouvons pas suspendre prier pour le peuple haïtien, Seigneur, parce que le jour en jour, nous avons pas pire de nouvelles nouvelles, à tort et à travers, Seigneur. Nous lever pays en devant, puisque nous connaissons pitié tout là-dedans, même lorsque les hommes viennent plus méchants que jamais, même lorsque ils ont fait méchanceté, ils ont vol, ils ont viol, ils ont fait crime, toutes sortes de méchanceté. Mais nous ne pouvons pas suspendre prier parce que nous connaissons Dieu d'amour. Nous connaissons son Dieu, Seigneur, qui est toute bagaille, nous connaissons va protéger pitié tout le Seigneur, jusqu'à ce que on va dire un mot pour le peuple, ça, pour le capable changer le fusil d'épaule, pour le capable connaître le bon Dieu qui est dans ce ciel-là, pour le capable connaître le monde que la vie doit faire méchant, c'est pour frayer le monde même nation avec eux, c'est pas l'autre côté. Ouvrez Dieu, nos seigneurs, nous avons que mauvais esprit prend pays, ça, pour les seigneurs, mais nous connaissons le jour J, où on va frapper Pierre pour dire arrêtez, sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. Seigneur, s'il te plaît, dis un mot pour le peuple, Seigneur. Sans oublier le pays, car que nous avons vu, Seigneur. Nous connaissons quel trouble là-dedans, mais nous connaissons où sont Dieu l'amour. Nous connaissons où sont Dieu de vérité, Seigneur. Nous connaissons parole où c'est oui et amen. Nous connaissons prophétie fort qui ont accompli. Parce que si pas accompli, nous t'avons dit son Dieu de mensonge. Heureusement, nous connaissons Dieu de vérité. Seigneur, bénis-nous, bien bénis. Sanctifiez-nous, lavez-nous. Nous pas oublier de lever le pasteur Jean-Michel devant Seigneur. Nous connaissons santé, lui. Nous connaissons besoin de santé pour le capable de ce travail que l'a fait à vous, Seigneur. Nous demandons pour capable bénir et bien bénir. Passez mes guérissantes au soleil. Bénir à toute famille, Seigneur. Bénir la force nécessaire pour que jour après jour, pour le capable de courage, pour le capable de camper, pour le capable de nourrir le peuple, Seigneur. Nous demandons pour capable combler lui de toutes sortes de bénédictions. Bénis-nous tous qui sont libres. Nous besoin plus que jamais. Fortifiez-nous, lavez-nous, transformez la vie, nous. Nous pouvons multiplier de vaines paroles devant Seigneur, car on connaît mieux que nous, parce que il y a un pile dans nous, Seigneur, qui souligne, qui est malade, qui est dans nous, qui a des douleurs atroces, qui est dans nous, qui a des allergies, qui
qui dans nous qui gagne hypertension, cholestérol, cancer, etc. Seigneur, nous connaissons toutes ces gros péchés. Mais Seigneur, s'il te plaît de grâce, pardonnez-nous encore une fois de plus. Bénis-nous, sanctifiez-nous, lavez-nous. Nous réclamons toute grâce à vous, avec le complet pardon de nos péchés, au nom de Jésus, lui qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. 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 Vous êtes branchés à l'heure de la délivrance, un programme diffusé chaque matin sur les réseaux du dimanche au vendredi de 6h à 7h30. Et maintenant, mesdames et messieurs, comme vous savez, aujourd'hui est notre journée de témoignage, notre matinée de témoignage. Donc, Jean que nous t'ai toujours dit, nous sommes capables de prendre seulement 2 témoignages chaque vendredi, si que gagnant. Et parce que ce matin, je dois terminer à l'heure, je dois être droit au but, parce que je dois me préparer pour des funérailles en ce matin dans quelques minutes. Maintenant, n'a pas demandé pour que si vous-même qui t'avez témoigné ça que bon Dieu fait pour vous, en merveille que bon Dieu fait dans la vie, ou eh bien, ou capable raconter ça, raconter merveille bon Dieu, et ça va faire du bien. Ça va faire bon Dieu content pour le que ou reconnaissant envers ou raconter ça que le fait pour vous dans les grandes et dans les petites assemblées. Et d'autre part, ou capable aider un frère ou une sœur qui a fait face à même problème ou ça un problème pareil, eh bien, puisque li ouais que le Seigneur délivré ou, eh bien, li capable croire, li capable gain confiance que bon Dieu va délivrer le tout un jour. C'est pour nan but ça oui frère avec sœur que vous racontez témoignage, pas négliger, pour que vous racontez ça, bon Dieu fait pour vous, parce que vous faites que bon Dieu content, et vous aidez yon frère ou fortifié, yon frère ou yon sœur. Maintenant, Jean que nous dit, nous prenons 2 témoignages pour journée aujourd'hui, si que gen moun qui prêt pour que vous capable témoigner. Mais juste avant, nous faisons un petit crasse louange, côté que nous avons chanté au numéro 240. Nous voguons vers un beau rivage que Jésus nous prépara. Nous ne créons aucun naufrage. Sa grâce nous conduira. Nous voguons vers un beau rivage que Jésus nous prépara. Nous ne créons aucun naufrage. Sa grâce nous conduira. Psaume 116,
Mesdames et messieurs, sœurs et frères, le psalmiste a déclaré, il a dit, j'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquai le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Zamim, est-ce qu'on est capable de dire tant que salmisna? Est-ce que l'Éternel lui fait bien à vous-même? Lorsque les liens de la mort t'est environné, lorsque vous t'avez marché, vous t'avez contemplé le séjour des morts, lorsque vous t'êtes trouvé dans une situation qui était grave, qui était terrible, vous criez à l'Éternel. Et l'Éternel les secourit, l'Éternel vini à aide, l'Éternel les délivre. Est-ce que les fait bien pour vous? Est-ce que l'Éternel t'a fait du bien? Eh bien, Zamim, si que l'Éternel les fait du bien à vous-même, eh bien, suspendre pour que vous capable cacher ça, pour pas raconter la l'autre monde. Apprendre pour vous capable propager, proclamer les bienfaits de l'Éternel, ça que bon Dieu fait dans la vie. Et mes amis, si que vous t'avez dit en quelques mots, ça que le Seigneur fait pour vous en cette matinée, vous capable composer étoile nan, numéro 6 nan, et dit amen. Et m'va ouais signalou et nous va accorder au quelques moments pour que au capable raconter ça bon Dieu fait dans la vie. En attendant que nous gons amis qui t'a va prêt pour faire ça, nous va continuer avec un petit moment de louange non. Hosanna béni soit ce sauveur des bonheurs, le numéro 51 à n'importe quelle durée. Tandis que nous va faire petit louange non au capable composer étoile nan, numéro 6 et moins capable de remarquer le signal. Hosanna béni soit ce sauveur des bonheurs qui vers nous plein d'amour descend du sein du Père. Béni soit le Seigneur qui vient des plus hauts cieux apporter aux humains un salut glorieux, un salut glorieux. Hosanna béni soit ce prince de la vie, que de joie rend son nom, notre âme soit ravie. Quand des chants tout nouveaux, elle éclate aujourd'hui. Tressaille devant lui, tressaille devant lui. Hosanna béni soit cet ami charitable que le plus grand pécheur sans apparat sous notre humanité, il a voilé l'éclat de sa divinité, de sa divinité.
ta vle di an kelke mo sa ke le Seigneur fè nan la vi ou kapab kompoze etwal nan numero 6 e ou kapab di amen. Pa bliye lèr li limite e tout otan ke pa gen moun ki pre nou ap komble espas nan par la louange. Donk a nimpòt kèl mouman si ko ou vle témoye sa bon Dieu fè pou ou, ou kapab jis kompoze etwal nan numero 6 nan e di amen. Et me va ouais signalo. N'a continuer avec notre petit moment de louange à toi la gloire au ressuscité. À toi la gloire au ressuscité. À toi la victoire. Mesdames et messieurs, moi-même personnellement, me t'aimer dit bon Dieu merci. Merci pour sa grâce. Merci pour soin jaloux que le prend de moi et de famille moi côté que ti moun moi yo, quel que soit côté que yo toujours protégé. Donc non pas recevoir de mauvaises nouvelles. Donc nous dit bon Dieu merci pour grâce li, pour merveille li et nous dit merci pour privilège que le ban nous. Pour que nous capables servir et desservir peuple. Donc si c'est pas tes grâces bon Dieu, mais moi m'étais déjà oublié. Donc voilà pourquoi moi reconnaissant et m'a continué faire louange pour le Seigneur, m'a continué servir jusqu'à ce que m'entrer dans ses cueils moi. Donc m'voyez un gros coup de chapeau bas by l'Éternel du fait que lui toujours continué apprend soin moins et soin famille moins et soin tout membre d'église côté que les placer sous chemin. Et maintenant mesdames et messieurs, puisque ou pas prêt pour que ou témoigner, donc moment li fermé, si vous avez fait ça n'a quitté pour vendredi prochain. Et maintenant mesdames et messieurs, m'a invité côté que nous a chanté au numéro 527 quand le vol de la tempête
Viens t'assombrir ton ciel bleu. Au lieu de baisser la tête, compter les bienfaits de Dieu. Peut-être en pile dans nous qui a suivi le programme, nan, qui branché. Peut-être ou a traversé des moments difficiles. Peut-être ça que ou a cherché, hein, ou a demandé mon Dieu ou pas rejoindre ni. Peut-être c'est ça que fait ou pas grand témoignage. Eh bien, écoutez, non. Même lorsque ou a cherché un bagage dans mes grands maintenant ou pas rejoindre ni, cependant, ou besoin pour rappeler de ça que t'es fait pour déjà. Ou besoin pour que vous capable rappeler de bien faire lié à ou même dans le passé. C'est ça que fait en mime. Témoignage, c'est l'état doué yon bagay que ou prend comme yon coutume. Kout koto ou passe pour raconter merveille bon Dieu. Koute, bon Dieu remet l'en nous fait éloge pour lui. Bon, ou même qui humain. Lorsque petit tout ou soyon moun a parlé bien de ou, tout épaule ou monte, tout souci ou levé. Parce qu'au content, l'on moun a parlé bien de ou, l'on moun a fait éloge pour ou, eh ben, pour qui ça? Pour qui ça ou timide? Pour qui ça ou négligent? Ou pas vle pour que ou capable faire éloge pour bon Dieu? Lorsque mon moment arrive, dans quel que soit service, zami m'koute, dans moment ça, lorsque yon mande témoignage, dans quel que soit service, pas ta doué côté, gen temps pour prendre moun. Parce que bon Dieu fait de grandes choses envers nous. Je dis ainsi moi-même avec vous, nous en vie. Si moi-même avec vous, nous pas passé dans pandémie, eh ben c'est grâce à bon Dieu, oui, en même. Alors c'est pi bon, passer des milliers de personnes qui passent dans pandémie et puis guess what? Jean comme t'es toujours qu'on dit ou. Virus tant pour qu'on aller, gien l'autre encore là qui entré. Il y a l'autre qui pi mal, qui pi dangereux. Pi dangereux que Delta. Eh ben, zanmim, bon Dieu, si ko vivant, si que ou a fonctionné, c'est li kap couvri ou. Au besoin pour que ou capable raconter merveille bon Dieu. Tout le temps. En tout lieu, en tout temps. Et c'est ça que David dit, ou doit pour louer le nom de l'Éternel. Lorsque ou gon bagay que ou a cherché dans mes bon Dieu, ou pas qu'on joigne ni. Eh bien, ça n'a pas qu'à faire un bouchou parce que le fait pile pour déjà. Ou besoin pour raconter. Yo. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre.
Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen. Zamim, nous arrivons dans un moment côté que nous allons intercéder. Nous allons frapper le rocher. Côté courrier, n'a pas d'eau, agis fort. Fais mon Dieu confiance. Parce que lorsque vous criez, il tendait, les comprendre et autant voulu, les ap répondre. Jésus m'entend lorsque par la prière, je vais à lui sans crainte et sans effroi. Jésus m'entend lorsque par la prière, je vais à lui sans crainte et sans effroi. Il veut toujours plaider devant son Père pour un pécheur repentant tel que moi. Et si parfois le ciel paraît dérain, je sais que mon Sauveur divin, autant voulu me répondra. Prions le Seigneur. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous voici en ce matin. En cette fin de semaine, nous venons devant toi, ô Père, pour que nous disions merci pour les 6 jours de la semaine traversés en bien, tandis que nous, en 6e jour, nous disons merci parce que vous permettez que nous réveiller sains et saufs en ce matin, pour que nous soyons capables d'en pied, pour que nous adorions, pour que nous causions avec vous. Nous disons merci pour ce privilège. En ce moment, Père, nous avons levé tout petit ouyo, quel que soit à côté que y a vive qui branché à ce programme. Nous avons demandé au Père ou qu'on ait difficulté que y a faire face, ou qu'on ait santé yo, ou qu'on ait problème yo, ou qu'on ait besoin yo. Nous avons demandé autant prix pour que nous soyons capables de glorifier, voler à leur secours, Seigneur. Faire yo du bien, puisque Père nous connaît que nous sommes un Père aimant. Ou c'est un Dieu miséricordieux qui lente à la colère. Ou c'est un Père qui a compassion. N'a pas demandé autant prix. Puisqu'on n'a pas changé, Seigneur. Tu es le même d'hier, aujourd'hui et demain. N'a pas demandé de jeter un regard de pitié. Et un regard favorable sur tes enfants. Et permet au Dieu que tu es capable de sentir que tu es soulagé. Tu es capable de sentir que tu es réconforté. Tu es capable de sentir que tu prends une nouvelle force. Après que vous venez sortir dans le service, ça, car côté que présence où y est, Seigneur, gain miracle, côté que présence où y est, gain en pile merveille qui fait, voilà pourquoi nous attendons à un miracle, nous attendons à un merveille, Seigneur, qui va faire pour nous. Ô Dieu des cieux, nous disons merci. Merci, Seigneur, pour tout ce que vous faites dans la vie, nous, car n'était-ce pas toi, n'était-ce pas ta grâce, Seigneur, notre âme serait longtemps reposée parmi les morts. Et nos mémoires seraient déjà oubliées. Voilà pourquoi, ô Dieu, nous te sommes reconnaissants. Nous abdou merci pour le pardon de nos péchés. Merci parce qu'au bon nous accès à ton trône de grâce par la prière. N'a béni non, Seigneur. Au dans moment ça, nous voulons lever toute petite yo qui branche, Seigneur. Voler au secours yo. Gien pile, Seigneur, qui a pleuré en ce matin. Il y a un pile qui perdit un être cher, ou même qui est le grand consolateur de tous les âges. N'a pas demandé assister, réconforter, parler à eux-mêmes, parler dans le cœur, et permet que vous connaissez très bientôt, Seigneur, lorsqu'on retourne. Non, pas bien pour nous faire face à calamité encore. Non, pas bien pour nous faire face à douleur encore, à cri encore, à séparation encore. Parce que les premières choses, tout va disparaître. Et nous va vivre avec vous dans le bonheur sans fin. Ô Dieu des cieux, n'a pas demandé autant prie, Père. Fais un miracle en faveur, petit ouyo. Matin, en un moment ça,
Gen yon piti tou seigneur ki an danje. Gon piti tou seigneur ki pral tombe nan trou. Gon piti tou seigneur ke Satan li range yon aksidan devan kon ya la. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom du sang versé de Jésus de Nazareth, n'a crié victoire, n'a réclamé victoire, n'a crié libération, n'a réservé, n'a demandé victoire, n'a proclamé victoire à tout le monde qui est en danger en ce moment, quel que soit à côté que vous êtes, n'a demandé au délégué cortège céleste, délégué tes saints anges pour aller camper en double croix, en triple croix. Pour capable sauver yo, pour libérer yo, afin que Satan yon fran encore les capable connaît que moun ki a servi l'Éternel des armées yo gon puissance, moun ki a servi l'Éternel des armées yo plus puissant que eux-mêmes, moun ki a servi l'Éternel des armées c'est victoire, c'est libération, c'est guérison qui pour yo. Alléluia. Dans moment ça notre Père, nous voulons donc yon miracle pour Ronald Saint-Just ak famini. Yon miracle pour Maurice Duterval ak famini. Yon miracle pour Élise Noël ak famini. Yon miracle pour Kerline Philogène et famille. Yon miracle pour Ali Jean-Baptiste et famille. Yon miracle pour Jeffrey. Yon miracle pour Diomène Belfort et famille. Yon miracle pour Marie Prague et famille. Yon miracle pour Marie-Louise. Yon miracle pour Max André Ernest et famille. Yon miracle pour Whitney Emile et famille. Yon miracle pour Lucita Dorelli et famille. Yon miracle pour Marthe Auguste et famille. Yon miracle pour la petite Samuel. Yon miracle pour Rosanna Liancin et famille. Yon miracle pour Marie-Christine. Yon miracle pour Jean Lestin. Yon miracle pour Joël. Yon miracle pour Joseph Kaimit et famille. Yon miracle pour Emmanuel Etienne et famille. Yon miracle pour Antenor Médor et famille. Yon miracle pour Ludy Saint-Fort et famille. Yon miracle pour Patricia Gilles et famille. Yon miracle pour Nandi. Yon miracle pour Mona Gilles et famille. Yon miracle pour Daphné Kwasi. Yon miracle pour Awol Kwasi. Yon miracle pour Darlene Paul. Yon miracle pour Brisson Pirono. Yon miracle pour Edwiana McLennan, yon miracle pour Eden Barrett, yon miracle pour Judas Jackson. N'a pas de délivrance pour Marc Belfort, délivrance pour Ronis Termeus, délivrance pour Vladimir Rassius, délivrance pour Pastola Jean-Charles, délivrance pour Alberta Majus, délivrance pour Serette Prévillon, délivrance pour Katiana et famille, délivrance pour la famille McDonald, délivrance pour Serette Colin et famille, délivrance pour la famille Ulysse, délivrance pour la famille Saint-Ulysse, délivrance pour la famille Philosin, délivrance pour la famille Montina, délivrance pour Rosène Jacques et famille, délivrance pour Yvelle Garçon et famille, délivrance pour Yvette Duterval, délivrance pour Marcel Aurélien, délivrance pour Nadia Augustin et famille, délivrance pour Marcel Augustin et famille, délivrance pour Bethsaida Masséna, délivrance pour Martine Saint-Just, délivrance pour Cherline Sylvain et famille, délivrance pour Kélène Benoît et famille, délivrance pour Jeanne Destin et famille, délivrance pour Eriline Metellus et famille, délivrance pour Inaud Guerrier et famille, délivrance pour Lionel Dorelli, délivrance pour Lionel Joseph et famille, délivrance pour Marc Eli, délivrance pour Linda Duval, délivrance pour Anicia Desrosiers, délivrance pour Carlo Jérôme, délivrance pour Ginette Basile et famille, délivrance pour Angie Metellus, délivrance pour Milan Saint-Cyr, délivrance pour Niveline Parisien. On a demandé un miracle en cette matinée pour Sidoine Géraud. Yon miracle pour Bertozzi, yon miracle pour Pasteur Jimmy Jean-Baptiste et famille, yon miracle pour Jessica Latonelle, yon miracle pour Rose Docteur, yon miracle pour Jonathan Lebon, yon miracle pour Marie-Tony, yon miracle pour Annie Parisien, yon miracle pour Mia, yon miracle pour Willand Evra et famille, yon miracle pour Marie-Claire Pierre et famille, yon miracle pour Gerland Ulysse et famille, yon miracle pour Nemaya Fontaine, yon miracle pour Benoît Derifon et famille, yon miracle pour Marilyn Castin, yon miracle pour Juline Placide, yon miracle pour Michael Placide, yon miracle pour Nakajus, yon miracle pour Mackenzie, yon miracle pour Alicia Valérie, yon miracle pour Elijah, yon miracle pour Benito Lui, yon miracle pour Joshua Lui, yon miracle pour Berlin Joseph et famille, yon miracle pour la famille Petit Homme, yon miracle pour Valentine, yon miracle pour Jacqueline Exumé, yon miracle pour Betty Jordan, yon miracle pour la famille Jordan, yon miracle pour la famille François, yon miracle pour Yoline Etienne, yon miracle pour Adèle Etienne, yon miracle pour Amani Etienne, yon miracle pour Christina Etienne, yon miracle pour Marie Bojla et famille, yon miracle pour Agnès Pirono et famille, yon miracle pour Marie-Josette Pirono, yon miracle pour Jolie Kès Saint-Vilus et famille, yon miracle pour Cynthia Petit Homme, yon miracle pour Marie-Kelly Joseph et famille. On a demandé délivrance pour Guéline Absalon et famille, délivrance pour la famille René, délivrance pour la famille Joseph, délivrance pour Marley, délivrance pour la sœur Armand, délivrance pour Janelle Dielhomme, délivrance pour Marie-André, délivrance pour Wizit Civil, délivrance pour Yassine Jenkins, délivrance pour Edna Majus, délivrance pour Wilder Pacombe, délivrance pour Jules Nakajus, délivrance pour Martine Limage, délivrance pour Michel Dubisson et famille, délivrance pour Judith Phileus et famille, délivrance pour Myrlène Cajus et famille, délivrance pour Magali Etienne, délivrance pour Claude Etienne, délivrance pour Ankens, délivrance pour Franck Simon, délivrance pour Fernel Valérie, délivrance pour Nicole Exil,
Délivrance pour Anthony, délivrance pour Frances, excellent. Délivrance pour Kerline, Telus, Maï, famille. En ce moment de la délivrance, nous avons un miracle pour Sam, Elie et famille. Un miracle pour la famille Salomon. Un miracle pour Roselyne. Un miracle pour Judnel Mirtil. Un miracle pour McDaniel Mirtil. Un miracle pour Gaël Mirtil. Un miracle pour Endel Pierre. Un miracle pour Widel Nicolas Pierre. Un miracle pour Den Pierre. Un miracle pour Elvani Pierre, lui et famille. Un miracle pour Marie-Thérèse Faustin. Un miracle pour Kela François. Un miracle pour la famille Félix. Un miracle pour Dadelicha Félix. Un miracle pour Roselyne La Rose. Yon miracle pour Carole Estime, yon miracle pour Stéphane Baptiste, yon miracle pour Naïcha Baptiste, yon miracle pour Joël Charles, yon miracle pour Pasteur Joël, yon miracle pour la famille Mon Premier, yon miracle pour la famille Ozi, yon miracle pour Neika Louis Washington, yon miracle pour Stéphane Alphonse, yon miracle pour Steven Saint-Just, yon miracle pour Michael Jolie Sajan, yon miracle pour Gary Joseph, yon miracle pour Pasteur Arimon Val, la bande de délivrance pour la famille Belamont. Délivrance pour Fabiola Bellamont, délivrance pour Wasseline Chéron et famille, délivrance pour Janine Valérie, délivrance pour Hermia Valérie, délivrance pour Kempes Prévillon, délivrance pour la sœur Adrien, délivrance pour Claire Denise Andréville, délivrance pour Julien Talusmé, délivrance pour la Merci Charles, délivrance pour Rosanna Exantus et famille, délivrance pour Liliane et famille, délivrance pour Jean Wadner Jean-Baptiste, délivrance pour Achine Jean-Noël, délivrance pour Whitney Syriac, délivrance pour Anita Syriac, délivrance pour la frère Maxi Ferry. Délivrance pour Roseland Nui, délivrance pour Carline Nui, délivrance pour Myrlène Doris Carr, délivrance pour Juan Carlos, délivrance pour Widlin Augustin, délivrance pour François Duméran et famille, délivrance pour Bachena Duméran, délivrance pour Carline Moïse et famille, délivrance pour la famille Fleurant, délivrance pour Juliana Augustin, délivrance pour Staël Lavoisier, délivrance pour Fanélie Cibre, délivrance pour Pasteur Daniel Ménard. En ce moment de la délivrance, n'a pas de miracle pour Lumen d'Or Saint-Ville. Yon miracle pour Maxi Vincent, yon miracle pour Dick Ledix, yon miracle pour Lémi Bernard, yon miracle pour Antti Jean-Baptiste, yon miracle pour Le Grand Jean-Baptiste, yon miracle pour Mimo Jérôme et famille, yon miracle pour Martine Jean et famille, yon miracle pour Sabine Carrière, yon miracle pour Bermude Saint-Foy et famille, yon miracle pour Hilde-Louise Vital, yon miracle pour la famille Josapha, yon miracle pour Elijah Giovanni, yon miracle pour Elijah Petit Homme, yon miracle pour Froide-Lise, yon miracle pour Claude Saint-Claude, yon miracle pour Vedette Orius et famille, yon miracle pour Myrlène Petit Homme. Yon miracle pour Gina Baptiste, yon miracle pour Myrlène Cadet et famille, yon miracle pour Marcel Gélin, yon miracle pour la famille Danda, yon miracle pour la famille Éloi, yon miracle pour la famille Ovilmar, yon miracle pour la famille Morancy, yon miracle pour la famille Saint-Paul, yon miracle pour la famille Gilles, yon miracle pour la famille Paul, yon miracle pour Kéden Elijah Salomon, yon miracle pour Franz Montina, yon miracle pour Lydney Achelus et famille. N'ap mande ou délivrance pour Viviano Vicaris, délivrance pour Miriam Vicaris, délivrance pour Lucas Vicaris, délivrance pour la famille Saint-Fleur, délivrance pour la famille Victor, délivrance pour Charla Hulette, délivrance pour Patricia Raymond, délivrance pour James Louis, délivrance pour Nadège Louis, délivrance pour Sarah Polena, délivrance pour Fanel Garius, délivrance pour Morissette Verwil, délivrance pour Daphné Jean-Baptiste, délivrance pour Esther Nicolas, délivrance pour Janine Benjamin, délivrance pour Mina Luxeus. En ce moment de la délivrance, n'ap mande yon miracle pour Nadège Jean-Baptiste, yon miracle pour Hermine Salomon. Yon miracle pour Tanisha Fizeme et famille. Yon miracle pour Lévi Joseph et famille. Yon miracle pour Nadège Jacques et famille. Yon miracle pour Ségan Plouy. Yon miracle pour Tatiana Perevos. Yon miracle pour Nathan Larose. Yon miracle pour Nadège Sanon. Yon miracle pour Jessie Saint-Ville et famille. Yon miracle pour Lud Jacques. Yon miracle pour Ketia Desulmé. Yon miracle pour Antoinette Norzil. Yon miracle pour Amanda Norzil. Yon miracle pour Ronaldo Mondésir. Yon miracle pour James Lidojouan. En ce moment de la délivrance. Pendant yon miracle pour Roseland Metellus, yon miracle pour David Jean-Baptiste, yon miracle pour Marie-Lou Jean-Charles, yon miracle pour Carl-Henri Destin, yon miracle pour Sandra Odige, yon miracle pour Verline Julien, yon miracle pour Dave Deramo, yon miracle pour Noël Zira Thomas, yon miracle pour Fleurette Jean-Paul et famille, yon miracle pour Julie Munga, yon miracle pour Sidonie Joseph et famille, yon miracle pour Paulette Bastien et famille, yon miracle pour Webster Eli, yon miracle pour Dr. Nancy Ali, yon miracle pour Jean-Marie Polycap et famille. Yon miracle pour Denis Chérilus. En ce moment de la délivrance, grand pilote qui besoin en merveille. Yon besoin miracle fait pour yon notre Dieu. Non pas gen non yon, mais ou même qui compte délivrer, ou même qui compte faire miracle, ou même lorsqu'on frappe pio, la tête tremble. N'ap mande ou pour que ou fait un miracle pour moun sa yon, fait délivrance pour yon, afin que yon capable connaître que grand monde qui t'a prié pour yon. Et qu'ainsi, lorsque yon délivré, yon va aller côté non à invoquer pour que yon capable adorer yon. On nous voulons assurance qu'autant décrit nous. Voilà pourquoi nous voulons dire béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel, le Dieu des miracles.
Béni soit l'Éternel, le Dieu qui nous répond. Béni soit l'Éternel, le Dieu qui nous délivre. Béni soit l'Éternel, le Dieu de l'impossible. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Vous attendez l'heure de la délivrance. Il y a un programme qui passe chaque matin sur réseau yo, du dimanche au vendredi. Eh bien, nous disons merci parce que vous avez suivi l'heure de la délivrance et si vous sentez que le programme ça fait du bien, continuez. Bayons en mi ou numéro 1 et le wal sur Facebook. Partagez page nan, wal sur YouTube, cliquez aimer afin que un pilote capable de tomber sur le programme. Nan. Et maintenant, mesdames et messieurs, je souhaite que vous soyez capable de traverser une bonne journée de préparation du sabbat. Côté que nous avons souhaité une bonne journée et plutôt pour même pas oublier que le sabbat est pour vous aussi. Et mes amis, c'était serviteur pasteur Jean-Michel Etienne qui t'a servi et m'a dit au revoir et m'a blessé avec notre bien-aimé sœur Jessie Saint-Ville, li touchim. Pas oublier que nous pas travailler demain matin, c'est congé. N'a pas rendez-vous à dimanche matin pour un programme pareil. Au revoir. Mesdames et messieurs, c'était Jésus Saint-Ville dans son interprétation Jésus touchem et lorsque le touchem gon bagay qui passait. Et mes amis, nous disons bonne journée dans le Seigneur, bonne préparation du sabbat et n'a pas souhaité que vous capable entrer dans le sabbat avec une bonne santé physique et spirituelle. Bien, au revoir et à dimanche matin.